Les salutations de partout, vous êtes en train de me suivre. C'est encore moi, votre ami et votre connaissance. Nous sommes dans notre espace, comme d'habitude, qui s'appelle Parlons Business avec Mani. Ça, c'est le quatrième numéro dont nous sommes en train de vouloir traiter aujourd'hui. Parlons business aujourd'hui avec Amani, nous allons parler d'un sujet trop large, mais on va essayer d'en parler en cours, juste comme peut-être une introduction qui va amener les questions auxquelles nous allons répondre et ensemble avec vous, nous allons les traiter. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure, cela dépend du moment et cela dépend de la place. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2023. Probablement, je ne sais pas, il est quelle heure là où vous me recevez. Peut-être que vous pouvez me recevoir le soir ou pendant la journée. Je vous demanderai de laisser votre commentaire dans le lien que vous voulez, laisser un commentaire en bas, liker la vidéo, partager et abonnez-vous. Nous parlons chaque fois de certaines thématiques et nous parlons surtout de tout ce qui est business, entreprendre, affaires dans le sens large. On n'a pas une matière spécifique où on dit qu'on se focalise, mais nous le parlons et nous le disons dans un domaine large. Je ne suis pas un coach, je ne suis pas un financier, je ne suis pas un conseiller financier, je suis seulement quelqu'un qui est en train d'aider et de pouvoir faciliter les autres. Cependant, tout ce que je fais n'est pas sponsorisé par qui que ce soit. Ce que je vais dire aujourd'hui, ou bien les sites que je vais présenter, je n'ai pas les sponsors de qui que ce soit. Je le fais juste pour pouvoir aider et faire comprendre. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'immobilier. Vous savez que le secteur de l'immobilier, c'est un secteur trop grand, c'est un secteur trop vaste. Et avec lui, les gens peuvent avoir beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais seulement, beaucoup de personnes s'abstiennent de se lancer dans l'immobilier puisqu'ils se disent, lorsqu'on entend parler de l'immobilier, on voit déjà la maison. Et quand on voit la maison, on voit des immeubles. Quand on voit des immeubles, de grands immeubles, de grandes constructions, on voit des constructions de plus de 1,1 million. Vous voyez, quand on parle de l'immobilier, chaque fois, ça fait peur à quelqu'un. Lorsqu'on veut te parler de l'immobilier, ça choque. Et les gens disent, mais non, ça, ce n'est pas un business dans lequel on peut se lancer. Seuls les gens qui sont fliqués se lancent dans ceci. Je suis d'accord avec toi que seules les personnes fliquées peuvent se lancer dans l'immobilier. Et là aussi, je te dirais le contraire, ce n'est pas seulement pour les personnes fliquées. La question, tu peux te lancer, mais il faut savoir dans quoi. Tu veux te lancer, est-ce que tu aimerais toi-même avoir le tien, tu aimerais participer ou bien tu aimerais commencer quelque chose. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment nous focaliser sur l'individualité, c'est-à-dire nous n'allons pas nous focaliser sur chercher le tien, mais je vais vous donner un cours, je peux appeler ça comme une voie courte pour faire l'immobilier. Ici, nous n'allons pas parler de construire sa maison, ici, nous n'allons pas parler d'acheter son terrain, mais ici, nous allons parler de quelque chose qui est déjà établi, quelque chose qui est déjà construit, qui est là, et que vous entrez aussi dans le marché. Je vais vous dire que le marché de l'immobilier représente beaucoup. Et vous allez voir que tous ceux qui ont, les grandes personnes qui ont l'argent, tous ceux qui ont l'argent, là où ils aiment bien plus garder leur argent, c'est dans l'immobilier. Au courant de la journée, je partage ma journée entre mon travail, mon expérience, pour ceux qui ne me connaissent pas, je sers le Seigneur, je suis son serviteur. Je partage ma journée entre l'œuvre de Dieu, mon travail, et aussi amener à donner, assister, donner des conseils et des orientations dans les domaines purement de ce que je suis en train de parler, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire dans les domaines des affaires, l'entrepreneuriat, le business et le conseil. Alors, j'étais en train de parler et discuter avec quelqu'un qui me disait qu'il veut se lancer, mais il ne savait pas en quoi.
Et quand nous avons fait un tour de salle avec lui, on est arrivé, il s'est dit qu'il va se lancer dans l'immobilier. Mais il s'est dit que l'immobilier, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et tout ça. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Et j'ai compris. La première des choses et la chose la plus compliquée, c'est que beaucoup de gens n'ont pas d'informations. Et par manque d'informations, tout le monde arrive à prendre pour ange ce qui est démon et tout le monde considère ce qui est démon être un ange. Aujourd'hui, je vais te donner deux courtes voies dans lesquelles toi-même, tu peux investir dans l'immobilier avec moins de 100 euros, avec 10 euros. À partir de 10 euros, si tu veux, tu peux commencer. Certes, dans les plateformes de courtage, pour plusieurs courtiers, notamment plusieurs plateformes, ils le font. Mais aussi, il y a certaines plateformes, pas seulement ça. Il y a plusieurs plateformes dont je peux te recommander certains, mais ça serait mieux que tu cherches toi-même pour que tu comprennes un peu là où tu veux te lancer. La fois passée, quand j'étais en train de parler des actions, avec l'immobilier, c'est presque la même chose. Tu peux aussi aller dans une plateforme, tu cherches une entreprise qui travaille dans l'immobilier, et cette entreprise qui travaille dans l'immobilier, tu achètes une part d'action, ou bien tu achètes une fraction d'action, et eux, comme ils mettent leur argent, comme c'est dans l'immobilier, c'est-à-dire toi aussi, tu as investi avec eux dans l'immobilier, et à partir de ça, tu peux récupérer ou tu peux avoir. Laissons, prenons ces cas. Permettez-moi, je n'utilise pas trop, si je le prends pour exemple, ne me tenez pas rigueur puisque je montre chaque fois une trop. Non, je ne l'utilise pas, je le prends juste pour exemple. Prenons par exemple ces sites que voici, que déjà j'ai présenté deux ou trois fois et que vous connaissez. Prenons par exemple ces sites. Celui-ci. Et on va aller ensemble, on va vérifier quelque chose. Là, nous sommes sur ce site, nous sommes sur eToro. Et en étant ensemble ici, nous voulons trouver quelque chose dans l'immobilier. Je viens là surchercher. Ça, ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas l'excellent. Non. Il y a beaucoup de plateformes. Et ils ne sont qu'en train de faire la troisième partie, la troisième personne dans votre business. C'est-à-dire vous. Et ils ne sont que ces plateformes-là de négociation. Et puis, ceux qui sont là, les actionnaires qui sont là, les icônes, les représentations qui sont là, ce sont eux le propriétaire de ce business-là. Mais moi, je vais chercher peut-être dans... Je vais écrire là « immobilier ». Vous voyez? J'écris « immobilier ». « Immobilier ». Et on me présente plusieurs personnes qui sont dans l'immobilier. Je vois là, il y a... TD Tag, il y a LG Dot et Dot DI, excusez-moi, en suédois on dit autre chose, pourquoi l'expression est plus suédoise. Alors, tout ça, ce sont deux plateformes, pas des plateformes, mais plutôt ce sont des entreprises qui œuvrent dans l'immobilier. Et vous pouvez vérifier facilement leurs capitaux. Par exemple, celui-ci, les tags, son capitaux le capitaux en bourse aujourd'hui qu'il a, c'est évalué à 1,14 million de dollars. La ratio par rapport à son pourcentage, elle est entre 5,61 et 5,8. Le plagiat, c'est-à-dire... une répétition de pourcentage que l'on peut vérifier, elle est aussi là. Mais moi, je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre, il y a un que je connais, il s'appelle Reality Incomes. Celui-là, Reality Incomes. Je prends par exemple Reality Incomes. Alors, regardez, Reality Incomes, c'est une entreprise qui œuvre dans le secteur de l'immobilier. Et cette entreprise qui œuvre dans le secteur de l'immobilier, il a comme actif... Et il a comme capitaux en bourse de 39,15 billions de dollars. C'est ça les capitaux en bourse qu'il a.
39,15 millions de dollars. Les volumes d'investissement est de 3,56 millions de dollars. Le plagiat ou les dates, bon, c'est-à-dire aujourd'hui on peut les retrouver, ils peuvent nager entre 58,9 et 60. La ratio de bénéfices, elle est de 41,76%. Et voilà ce qu'on donne un peu. Et tu regardes, je regarde un peu ces statistiques. On me dit les statistiques, il est comment. Je regarde, ici on parle de volume, on parle de rationalité, on parle de tout. Pourquoi tu fais ça? Tu es en train de voir si, si elle est fiable pour que tu puisses y mettre un peu ton argent pour voir si l'argent que tu mets, que cela peut produire. Alors je regarde un peu les graphiques. Tu vois son graphique, il a commencé bas, il descendait, il montait. Vous voyez comment le graphique est. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui va et qui est quand même bon et qui est quand même stable. Là, on te dit que le rendement, bon, ici, c'est le rendement sur un an, il est de moins 8,70%. C'est-à-dire le rendement annuel, par rapport à ça, on peut le retrouver à 8,9. Pourquoi on dit moins? Puisque là, tu es en train d'acheter à 61,04. Quand tu vas commencer à acheter à 610, et le moins 8 va sortir, alors le pourcentage sera normal. Mais si tu vois ici la valeur d'une fraction d'action, ce n'est pas l'action, mais la fraction d'action, la petite partie d'une action, elle est de 61,1 euros, en dollars plutôt. Mais si tu regardes sur les statistiques ici, aujourd'hui, si tu regardes, aujourd'hui nous sommes ici. Nous sommes à 61, exactement. Nous sommes là à 61. Mais regarde les perspectives, c'est que l'objectif est que ces actions vont atteindre, ils vont avoir 70, ils seront à 70 dollars d'ici une année. C'est-à-dire d'ici la fin de l'année. Et si vous l'avez acheté à 61, elle aura comme valeur 70. Alors, maintenant, tu as déjà vu tout ça, tu te dis, ok, c'est bon. C'est-à-dire, si tu comprends bien, c'est qu'à partir de 61 dollars, tu peux aussi être dans l'immobilier. Tu peux aussi te lancer dans l'immobilier. Mais maintenant, tu te dis, bah, avec 61 dollars, qu'est-ce que je fais? Tu viens, et je te donne juste un exemple. Hein. Tu dis, bon, je vais investir. Par exemple, tu vois là, le montant à investir, on dit, tu ne peux pas commencer avec 10 ici sur cette plateforme. Tu te dis, par exemple, tu veux acheter, puisque ici c'est acheter, ici c'est vendre. Tu te dis, tu veux acheter 10 actions, 10 fractions d'actions. Et 10 fractions d'action, si tu dis 10 fractions d'action, ça va être quelque chose comme 610. Tu vois? Tu as quelque chose comme 610. Alors, sur les 610 que tu as acheté, regardez maintenant. Si tu as acheté, si par exemple, vous avez acheté à 61, et que l'on nous dit ici que nous aurons moins 8 points. 7. Je vais maintenant vérifier. Je vais vérifier pour savoir si exactement, si j'achète une action, qu'est-ce que j'aurai. Je vais savoir ce que je peux avoir, ce que je peux gagner dans ça. Alors, je suis en train de chercher. Vous voyez, le pourcentage, il est là. Je regarde Reality Incomes. On me dit, aujourd'hui, il est à 61. À 61. Je reviens pour que quelqu'un voie bien ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, Reality Incomes, il est à 61. C'est ça, non? Le Reality Incomes. OK? Je ne sais pas si le vue n'est pas bien. Bon, mais au moins, je sais que le Reality Incomes, il est à 61. Oh là là là. Vous voyez là le pourcentage? C'est 61 s'il faut l'acheter. Alors, je me dis, je vérifie, on m'a dit que dans une année, il peut être à 70 dollars. Et je vérifie, on me dit que par action, si j'achetais une action, elle va me produire un bénéfice net de 1,42. C'est-à-dire, si j'achète 61,64, à la fin du mois, j'aurai comme intérêt de 1,42 $. Puisque j'ai acheté pour 61. Mais maintenant, si j'avais acheté pour 610, c'est qu'à la fin du mois, j'aurai 10,4 comme intérêt.
Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué que vous pouvez le penser, pour vous croire que vous pouvez aussi investir à partir de votre 100 euros, de votre 200, de votre 600. Si vous voulez, la bonne chose avec cet investissement, c'est que votre argent, quand vous le mettez, ce n'est pas de l'argent qu'on met comme dans les forex, ce n'est pas de l'argent que l'on met comme on était en train de mettre dans les crypto-monnaies, où les calculs sont compliqués, elles peuvent descendre, elles peuvent monter, elles peuvent vous créer des entorses. Non. Ici, c'est que la réalité, c'est que l'argent que vous avez investi, à tout moment, quand vous sentez que ça ne marche pas, vous ne voulez plus, vous pouvez stopper la transaction et vous pouvez retirer votre argent. Mais je ne conseillerais pas quelqu'un à retirer son argent s'il a déjà placé ça. Excusez-moi, comme j'avais dit la fois passée, n'allez pas prendre vos 10 000 dollars, n'allez pas prendre vos 20 000 dollars et les mettez là. Non. Mettez un peu d'argent que si vous vous dites que, par exemple, vous avez 5 000, vous pouvez placer 1 000, vous pouvez placer 2 000. Vous avez 20 000, vous pouvez placer 5 000. Vous avez 100 millions, vous pouvez placer 500 000. Vous pouvez placer 10 millions comme vous voulez si vous avez fait bien vos calculs et vous avez fait tous les calculs de risque. Ça, c'était la première voie. La seconde voie, j'ai découvert quelque chose qui est ici en Europe, mais aussi aux États-Unis, il y a quelque chose de pareil. Mais je vais parler de ce que je vis ici. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y en a plein. Il y en a plein. Je veux vous parler de ce site ici. Je vais vous parler de celui-ci. Il s'appelle BRICS. Il s'appelle BRIC plutôt. Vous voyez là, c'est BRICS.co. Alors, BRIC, c'est quoi? BRIC, c'est une entreprise qui est... c'est une plateforme plutôt. C'est une plateforme qui est dans le domaine de l'immobilier. Et qu'est-ce que BRICS fait? BRICS, lui, il fait quoi? Et ils font quoi? Ils achètent des appartements, ils achètent des immeubles, et puis ils les mettent sur le marché, et c'est là qu'ils sont intéressés. Ils investissent dans ces appartements. Mais pour le faire, vous devez, comme d'habitude, comme vous le savez, vous devez ouvrir un compte chez eux, vous devez remplir toutes les formalités, notamment votre nom, votre poste-nom, votre adresse, présenter votre carte d'identité. Et récemment, on est en train de faire beaucoup de contrôles fiscaux là-dessus. On vous prend une photo recto-verso. Ça ne dérange pas. Vous n'avez pas seulement à loger l'argent dans une banque régulière. Vous pouvez trouver des néobanques. Les néobanques, ce sont des banques en ligne. Vous pouvez trouver une banque en ligne qui est fiable. Moi, je peux vous recommander, pour les gens qui sont en France, je dis, ils peuvent utiliser N26, mais celui qui est devenu plus populaire pour ces derniers temps, vous pouvez utiliser Revolut, si vous voulez, vous pouvez utiliser PayPal, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Alors, BRICS, il fait quoi? BRICS, par exemple, vous voyez celui-ci, je vous donne un exemple, je vous prends juste un exemple. Vous voyez cet immeuble-ci. On donne son adresse, on dit immeuble général de Gaulle. L'immeuble général de Gaulle vaut 1 523 000 euros. C'est ça la valeur de cet immeuble. Si nous essayons de cliquer pour avoir le renseignement dessus, nous allons voir actualité. Et il est actuel sur le site depuis le mois de mars. Comme convenu, nous avons, là, ce sont tout ce qu'on est en train de dire. Voici la rentabilité, ciblée, ce qu'ils ciblent, ce qu'ils aimeraient atteindre comme intérêt, c'est 8,58% l'an. Mais de l'autre côté, ils se retrouvent à 5,58. Donc, ils ont encore beaucoup de choses à travailler pour remonter la valeur de cet immeuble. Alors, mais la valeur d'acquisition, c'est 1 523 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est BRICS? BRICS fait quoi? Voyons un peu cet immeuble ensemble pour que vous vous dites, mais non, est-ce qu'elle est comment? Est-ce qu'elle est intéressante? Donc, avant de pouvoir investir, tu te permets de vérifier. Est-ce qu'elle est intéressante pour moi? Tu regardes toutes les images, tu vois, bon, c'est une jolie salle de bain, comme on visite une maison quand on veut la louer, quoi. Puisque là, tu vas mettre ton argent, c'est toi qui vas être propriétaire de cette maison, tu te dis, bon, je vais aussi comprendre comment ça se passe. Tu vois là, tu évolues, tu regardes, ok,
Il a un bon salon, il y a des bons canapés, tu regardes le sol, il est bon, tout est bon. C'est-à-dire, si je mettais mon argent ici, si tu prenais tes 50 euros, tes 100 euros, tu mettais ici, tu vas pas, ça va quand même t'apporter un certain intérêt, ça va quand même te rapporter quelque chose. Tu te dis, ok. Alors, tu regardes, tu es là, tu es en train de voir, ok, tu vois tout. Et ils ont des immeubles dans l'Europe, la France, surtout le Portugal, l'Espagne, il y en a. Aujourd'hui, ils ont leur marketplace est rempli. Alors, regarde, maintenant, ils te disent ici ce que j'étais en train de t'expliquer d'eux. La valeur de cette maison, elle est de 1 523 000 euros. Mais ils donnent l'opportunité à tout le monde de pouvoir investir à partir des 10 euros. Puisque cette maison, ils la considèrent comme étant construite par le brick. C'est ça même le sens de ce nom. Et avec le brick, c'est-à-dire, si tu achètes une brique, c'est-à-dire, tu achètes une brique qui a construit cette maison, tu deviens aussi propriétaire de la maison. C'est-à-dire quoi? C'est pour dire que ils mettent la valeur d'une brique à 10 dollars, à 10 euros, et qu'une personne peut s'acheter autant de briques qu'il veut, selon son argent. Puisque ici, on dit que le 100% de briques représente 10 087 briques. C'est ici où c'est écrit. 10 087 briques. Alors, si tu te dis non, je suis intéressé, tu veux acheter une brique pour 10 euros. Mais quel est le revenu de ces 10 euros? On me dit que les 10 euros, il va me produire 8,53%. Et là, je vais faire mes calculs pour voir ce que ces briques sont capables de me rapporter mensuellement. Moi, je ne suis qu'en train de vous dire des choses, je ne suis pas en train de vous dire. Je ne suis pas leur agent de marketing ni agent de quoi. Je suis seulement en train de vous apprendre comment ça se passe. Je n'ai rien à voir avec eux. Alors, ils nous ont dit leur pourcentage là, c'est 8,5. Alors, moi, j'achète une brique pour 10 euros. Et elle doit me rapporter mensuellement 8,58. C'est-à-dire, je prends 10 euros multipliés par 8, oui, multiplié par 10 euros multiplié par 8,53 divisé par 100 pour savoir combien je vais avoir par mois. Alors par mois, si j'investissais 10 euros seulement chez Brick, j'aurais 0,8,53. C'est ça l'intérêt que je vais avoir. 0,8,53, c'est ça? Oh my God. Ça s'est fait pas voir, ça s'est fait pas voir. Je fais mes calculs sur ma calculatrice, la calculette là, ça ne se fait pas voir. Oh mon Dieu, je vous voyais même pas. Si, je m'excuse. Alors maintenant, si tu avais acheté 100 briques, ça va être multiplié par 100. Donc par mois, si tu avais acheté pour 1000 euros, tu as par mois 85 euros. 85,3 euros. Alors, si je dois avoir 85,3 euros et que je dois attendre jusqu'au mois de décembre, je le multiplie par 12. À la fin de l'année, j'ai 1023 euros. Cela veut dire, moi qui avais investi, si tu avais investi 1000 euros, et à la fin de l'année, tu auras 1023 euros. D'office, c'est que tu as maintenant un capital de 2023 euros, tu n'as plus les 1000 euros. Voilà comment ça se passe avec. Alors là, ça va dépendre de ton argent, ça va dépendre de ton capital. Alors pour acheter, on fait quoi? On clique ici sur Brick. On va, ici c'est le marketplace. C'est l'endroit du marché. Vous voyez le pourcentage, la rentabilité, c'est 8,23%. J'avais essayé d'acheter deux briques ici, je vais vous montrer. J'avais tenté pour voir la véracité de ce qui se passe ici. Moi, j'avais acheté au moins quelques briques, 3 ou 4 briques. Et voilà mon pourcentage que j'avais eu, c'est le 0,83 sur une brique, sur deux briques. J'avais acheté pour 20 euros. Sur deux briques, j'ai 0,83. Puisque je m'étais dit, non, je veux voir si c'est seulement, si c'est vrai que je n'envoie pas les gens en enfer quand même. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, moi, ce que j'avais eu, le 0,88 briques. 88 de 20 dollars pendant 2 mois,
Et sorry, pendant un mois, puisque chacun produisait 0,44, 0,44, alors j'ai 0,88 euros. Et vous allez dire, mais ça représente quoi? Comment tu peux te lancer dans une histoire comme celle-là? Non. On ne cherche pas à gagner dans le business. Il ne faut pas chercher directement que tu gagnes 1 million d'intérêts. Non. Va doucement et tu vas avoir ce que tu es en train de chercher. Et le jour où on doit payer, ils vont t'envoyer un mail pour te dire qu'ils t'ont payé ton argent, tu vas retrouver ton argent. Et ils vont vous dire, votre immobilier a produit ceci, votre ceci a produit cela. Je vais vous montrer ce que moi, on m'a payé. C'était quand là? C'était le 11 là. Mes 0,44 euros là. Je vais vous les montrer pour que vous soyez un peu sûr. Ok? Et quand vous créditez un compte, on vous tient informé puisque vous devez donner toutes les informations. Et vous avez avec vous quelques 0,0 de briques. C'est où encore là? Oh là 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 là. Je ne vais pas retrouver. Mais au moins, vous comprenez quand même comment ça fonctionne. Vous comprenez comment tout se passe avec briques. Et à part briques, il y a Reality Incomes. Reality Incomes, qui est ce que je vous ai montré là, qui est aux États-Unis, elle fait aussi presque la même chose. Elle fait presque la même chose, mais elle roule seulement avec les bitcoins, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Il travaille plus avec les crypto-monnaies et c'est ce qui rend un peu les choses qui rend un peu les choses compliquées pour plusieurs, puisque ceux qui ne connaissent pas comment convertir d'ici vers là-bas, c'est un peu compliqué dans tout ça quand vous faites certaines. Voilà, j'ai retrouvé si je ne m'abuse pas. Voilà, j'ai retrouvé mon paiement. Voilà. Voilà ceux qui m'ont payé. Bricks, mes loyers d'un mois, les 0,44. Vous voyez? Ceux qui m'avaient payé sur immobilier de 10 euros avec Bricks. C'est ça. Et si je veux, je vais télécharger ma facture. Mais là, moi, je vais vous montrer dans. Ça, c'est la facture qu'ils vont envoyer Bricks. La bonne nouvelle, les bonnes nouvelles sont enfin là. Nous venons de vous verser 0,44 euros sur votre portefeuille lié au loyer de vos propriétés. Bricks, vos loyers du mois. Et les loyers du mois que j'ai eu, c'est les 0,44 euros. Vous allez me dire, mais comment ça? C'est plus que j'avais investi 10 euros. Mais si tu avais investi 100, c'est que j'aurais eu 4,4. Et si j'avais investi 1000, j'aurais eu 40 euros. Maintenant, c'est à toi de faire fois le nombre de briques que tu as mis. Donc, tu comprends maintenant que si tu veux, tu peux aussi le faire. Ça, c'était un aspect. On va parler de l'immobilier dans plusieurs aspects. Ça, c'était un aspect. Aujourd'hui, pour aujourd'hui. J'étais juste en train de te montrer comment tu peux aussi être propriétaire dans l'immobilier avec 10 euros. Et si tu veux, tu as mis 100 euros, tu le dis, je vais voir ce qui va me produire mes 100 euros pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans. Et vous aurez un bon résultat. Alors, c'était pour moi un plaisir de partager ce temps avec vous. Et j'espère que vous avez été aussi richement instruite ou informée. S'il y a des questions, vous me laissez dans les commentaires. Mon numéro WhatsApp, il est un peu différent. J'ai un compte WhatsApp Business. C'est là où vous pouvez me voir pour
parler de ce qui est. Si cela vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter et on va essayer un peu de discuter. Laissez-moi un peu ajouter mon WhatsApp ici. Ça va peut-être permettre à quelqu'un de pouvoir être. Voilà. Alors, mon WhatsApp, il est là. C'est le plus 46 73 49 62 547. Ça, c'est le WhatsApp Business. Tu peux me laisser le message et tu peux me chercher à tout moment. Alors, n'oubliez pas que moi, je suis aussi Dora Travel. Dora Travel, c'est l'agence de tourisme en ligne où si vous avez besoin de trouver, d'aller en vacances quelque part en famille, vous avez besoin de localiser un endroit où vous voulez vous séjourner pendant un court temps ou un long moment, vous pouvez nous contacter, nous allons vous aider selon votre budget, nous allons vous donner des conseils des endroits les plus meilleurs et vous dire quand il faut aller, où il faut aller. Nous allons vous trouver des hôtels correspondants à vos demandes, au même prix de ce que vous cherchez sur booking.com, vous pouvez les trouver moins que cela chez nous, c'est-à-dire chez Dora Travel. Ne vous inquiétez pas. Alors, à vous de nous rencontrer prochainement dans le numéro 5. Merci. Bonne soirée à tout le monde qui a suivi et qui a écouté avec nous. Bonsoir.